Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. On commence avec l'actualité du jour avec Michelin North America qui annonce un accord définitif avec Sumitomo Corporation. L'accord porte sur le rapprochement de leurs activités de distribution pneumatique aux États-Unis et ce au sein d'une société commune détenue à parité. Les deux sociétés affirment que leur transaction va donner naissance au numéro 2 du commerce de gros dans le secteur pneumatique sur le marché américain. Les analystes de l'OPSA sont haussiers et visent des cibles à 125,15€ et 128,40€. On continue toujours dans l'actualité avec Bouygues qui annonce qu'il va participer à la construction d'un tunnel pour le métro de Melbourne, un contrat d'un montant de 3,9 milliards d'euros. Ce contrat a été attribué par le gouvernement de l'État de Victoria à un consortium dont Bouygues fait partie et qui inclut aussi Lendlease, John Holland et Capella Capital. Il prévoit le financement, la conception, la construction et la maintenance du futur tunnel de métro de Melbourne et ce pendant 25 ans. Les analystes de l'OPSA sont haussiers et visent des cibles à 45€ et 47,40€. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéresserons à BMW. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure de retournement haussière dite en biseau descendant. Il a rebondi sur le support à 83,88€, appelant à une poursuite de la hausse vers 88,40€ et 90,70€. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Warrant Call 0579T émis par UniCredit, un Warrant Call de prix d'exercice à 90€ et de maturité au 13 juin 2018. Et enfin, pour finir, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice parisien s'est posé sur le support graphique à 5259 points et tente un rebond vers le haut de son trading range à 5441 points. Tant que le niveau à 5259 points n'est pas enfoncé, une poursuite de la hausse est privilégiée avec en dépassement des 5441 points, la cible à 5536,40 points en ligne de mire. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le Warrant Call 5596T émis par UniCredit, un Warrant Call de prix d'exercice à 5400 points et de maturité au 16 mars 2018. À la Bourse de New York, c'était Marie Gintrick pour Trading Central. Excellente journée à tous et à demain.